Salut à toutes et à tous, c'est Riveless et je vous retrouve pour la suite de Digimon World sur PS1. Alors dans la vidéo précédente, j'ai fait des choses terribles. Oui, je me suis baladé à Bourg d'Industrie. Et bon, j'ai peut-être lui... Il a envie de dormir? Oh oui. Je vais quand même lui donner à manger. Parce qu'il a quand même beaucoup combattu dans la vidéo précédente. Ah ouais? Il a affronté plein de Digimon, quoi. Ouais, il est content et maintenant dodo. Je me rends compte que si j'avais poursuivi un petit peu plus la vidéo précédente, ben j'aurais pu sauvegarder. Bon, bref. Donc, je me suis battu pour la bonne cause, puisque Jiromon avait pété un boulon. Donc là, on lui a remis les pendules à l'heure. Faudra d'ailleurs que je retourne le voir, parce que normalement, il va mieux, cérébralement parlant. Alors bon, alors je vous explique un truc. Parce que là, j'ai envie d'affronter... Metal Movement qui se trouve à cet écran. Alors du coup il y a une méthode qui consiste à faire des allers-retours incessants de cette sorte. Donc là je vais sortir et je vais rentrer. Et ça sera comme avec Piximon. Il voudra se montrer ou il ne voudra pas se montrer. Et moi j'ai prévu le coup pour éviter de trop attendre. Paf. Et je sais, c'est pas bien mais ça fait gagner un peu de temps. donc voilà, Metal Movement. Je vérifie que je vais bien. Je vais bien. Je vérifie que j'ai de quoi assurer derrière. Ouf. En effet, j'ai de quoi assurer derrière. Et on va lui chercher bagarre. Bonjour. Et okay. Metal Greymon. Ah oui, vous en faites pas. Il se prend. Je sais pas qui se prend pour Metal Greymon, mais sûrement qu'il y a dû y avoir une erreur. Enfin, c'est rien. C'est bien Metal Mamemon. Il fait hey, qui es-tu? Je suis Metal Mamemon. Imbattable depuis 99 batailles. Tu vas être mon 100e. Je ne crois pas que quelqu'un comme Riveless s'enfuirait. Bah non, je vais pas fuir. Je te cherche depuis tout à l'heure, mec. Battons-nous. Bien sûr, je voudrais apprendre Pulse Laser. Non, si, c'est celle-là, je crois. Pulse Laser. C'est cette attaque-là. Allez, on y va à coup de Megaton Punch. Ouh, ça va piquer. Aïe aïe. Bon, ça va être long, un coup de 200-300, mais... Putain, il a le temps de le lancer. Bon, ça commence à piquer. Ah, il s'est protégé là, c'est pas cool. Ah, je l'ai pris. C'est pas cool. Ce serait bien que tu réagisses un tout petit peu plus avant. Aïe aïe. Ouais, je le sentais pas bien ce coup-là. Ah là, je le sens bien. Tu vas prendre cher. Voilà, t'as pris cher. Non. Il s'est protégé, c'est good. Oh oh, oh oh. Non, ça va, il peut pas me faire 2000 de dégâts dans la gueule. Oh, ça va, il me fait pas si mal en plus. Bon, allez, une double flop là. Faut lui une peigne. Il trouve le moyen de se protéger encore. Ça commence à me lourder énormément. Bon, alors, sauvegarde rapide. Et on y va au coup de finale. Tours rond. J'aime bien le chiffre rond. C'est le seul Digimon qui peut faire apprendre cette attaque. Metal Greymon fait tomber une... Oh, ça me plaît pas. Allez, je donne plus d'ordre. Ce serait bien que tu le loupes pas aussi.
Ce serait bien que tu meurs pas non plus. Bon. Je le booste même pas, je suis sûr que je fais casse de dégâts au moins. Ah ouais, ça peut être 2 à 3 fois plus puissant en fait quand c'est boosté à fond. Et ben voilà, Pulse Laser! C'était quand même bien compliqué pour le peu, hein. Enfin bref, hein. Le nombre de resets incalculable encore. Comme quoi, vous imaginez, si vous le faites à la régulière, bah c'est très long. Tu es plus fort que je le pensais. Tu es un rival honorable. Je te battrai un jour. Ok, bon, il rejoint la ville et moi, j'ai des choses à faire de ce côté-là. Je dois aller voir Andromone. Et je dois retourner là où j'ai affronté Jiromon. Non, tu veux pas faire de câlin à de la... Non. Bon, mec. T'as fini de réparer les données? Ça va prendre un peu plus de temps. Reviens plus tard. Ok. I'll be back. Prononcer à la Terminator dans un endroit où... C'est un endroit où règnent les machines et tout. Ben voilà quoi. Oh mon dieu, il a voulu me faire un câlin. Oh, des Platinum Sukamon. J'ai pas envie d'y aller. Je voulais juste reculer un peu, ça m'a fait aller dans l'autre écran. Ah là 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 là. Oh. Oh putain de merde. Oh putain de merde. De la merde, ouais, c'est le cas de le dire, oui. Alors, on va faire ça vite fait, bien fait. Oh là là. Trop long. Ah, je déteste ces trucs-là. Quand je vais vouloir apprendre les techniques caca, ça va être encore plus chiant parce que vous avez vu comment ils sont résistants. Oh mon dieu, comment je me suis protégé, mais d'une force. Ah mais mon dieu, j'allais dire, brossez-vous les dents, mais au contraire, ce genre de truc ne se brosse pas les dents, hein. Dans le fini, je vais le garder pour l'autre. Parfait. Faudrait que j'arrive à le paralyser. Putain, ça aurait fait plus mal à Metal Mamemon, quoi, c'est pour dire. Non, mais je crois qu'ils sont particulièrement résistants. Oh mon dieu, il a les yeux qui font des trucs bizarres sur celui d'en bas. Ah non, mais moi je suis paralysé, comme par hasard. Bon, encore 2 secondes. Oh, il est empoisonné. Various.
qui veut te soigner. Non. Sac PV, abusé. Ça suffit, on arrête les conneries là. Je sais que j'aurais pu être en mode Jojo l'esquive avec les sauvegardes rapides, mais là j'ai voulu vraiment le faire à la régulière. Pour vous montrer à quel point c'est galère. Et que vous comprendre pourquoi je cherche tant à les esquiver. Bon, c'est pas tout, mais... Sauvegarde rapide. Oh mon dieu, il y en a plein à esquiver. Oh, et t'as faim. Oula. Comme ça, on n'en parle plus. Allez, hop. Avale-moi ça. Non, mais j'aime pas les morceaux de... Ah, oh, putain, il me... Mais c'est qui me rattrape, ce con. Hop là. Non, toujours pas? Oh merde, j'ai fait tout ça pour rien. Bon, mais faudra que d'abord que... Comment il s'appelle? Que... Qu'Andromone, il finisse de réparer les données. Donc du coup, pendant ce temps-là, je retourne à la capitale... prendre ma ration de bouffe... Et aller ensuite au pays des glaces. Je ferai pas le... Comment ça s'appelle le sanctuaire des glaces tout de suite, puisque ça va être particulièrement long. C'est un putain de labyrinthe. Et il faut être vachement bien équipé. Parce que c'est un sacré donjon quand même. Bon, pas autant que... Que là-haut, là... comment ça s'appelle? Le mont éternel, mais... Quand même un truc costaud, quoi. Donc je vérifie si j'ai rien à acheter. J'aurais pu le faire à l'écran précédent, ça m'aurait évité de... Enfin bref. Ah, je dois me décharger de moins des puces. Me décharger aussi des bandages. Parce que dans le pire des cas, si j'ai une blessure, ben, je retournerai à la capitale. Mais sinon à côté, je suis blindé. Donc je vais déposer mes affaires et nous irons ensuite au pays des glaces. Sauf que, vu l'heure... Ah, vu l'heure, ça sera pas suffisant. Il faudra que je trouve que j'y aille dans l'après-midi. Oh là là. Ah, c'est ça qui est chiant, les événements qui sont en rapport avec le temps. J'ai pas d'autre choix. Non. Je triais battle. Voilà. Et il me reste 5 slots disponibles. J'ai envie de l'entraîner, mais en même temps, ça va faire du temps... Pas de perdu, mais... J'ai une idée. Je réfléchis aussi, parce que c'est quand même loin. Ce que j'ai envie d'essayer de lui apprendre... Parce que quand on regarde les attaques qu'il a... encore plein pouvoir et déjà dimension, et j'aurai toutes les techniques mécaniques et je serai soulagé sur un point, parce que les techniques mécaniques sont les plus dures à apprendre, sachant qu'il y en a une de feu qui peut être apprise que par un Digimon en question, et il faudra que j'y aille avec le bon Digimon. Bon, cette technique là c'est contre, et je sais pas par qui on la prend. Il y a des gens qui disent que c'est par Shima Unimon à la Mécano Savane, mais je ne suis pas sûr. Et ici, il y en a une des deux qui est bien, qui est vachement bien même. Et faut-il réussir à la prendre. Et encore faut-il que je trouve le bon Digimon pour la prendre. Bon, bah alors pour faire patienter, je serais bien tenté de retourner à la... Comment ça s'appelle? De retourner... voir Andromone, mais bon, si j'y vais et qu'il va me dire ça va prendre encore du temps. Alors du coup, je vais l'entraîner un peu en vitesse. Après, je l'emmènerai se reposer. Si en fin de journée, Andromone n'a toujours pas fini la récupération des données, ben j'irai à ce moment-là au Pays des Glaces. Dans l'espoir de trouver Garurumon.
Je sais, t'as pas mangé de super carottes ou de trucs de produits dopants, mais bon, c'est pas grave. Ah, là, t'as envie de faire caca. Vas-y, lâche-toi comme tu ne t'es jamais lâché. Voilà. C'était dur? Ou c'était mou? Oh, je veux pas savoir. Oh. Toi, tu dis rien de nouveau? Non, tu dis rien de nouveau. Jamais. Voilà, encore une fois, ça fait 450, ça fait un bon chiffre. Là, t'as faim. On va donner un giga-gigot comme ça va apaiser un peu ta fatigue et te rendre heureux. Une fois ça, et on se barre. Enfin, je t'emmène te reposer quand même parce que comme tu vas te battre, je regarde l'heure. Non, j'aurais pas le temps de te le faire une fois de plus. Du moins, je préfère attendre et avoir les événements qui se passent plutôt que de devoir attendre encore plus la journée suivante. Donc là, comme je lui fais un peu d'entraînement, un peu de repos s'impose. Et là, j'irai à nouveau à Bourg-Industrie. Voir si Andromone il a enfin fini. Sinon, je reviendrai. Coco! Il est un petit peu fatigué, tu devrais pas le pousser. Oh! Eh oh! C'est devenu un ultime! Je fais ce que je veux d'abord! Parce que de toute façon, si même si Andromone, les données et tout, je vais attendre le changement d'heure pour voir l'heure qui sera. J'ai le temps. Je pense que j'aurai le temps de faire ce que je veux. Toute façon, la Secret Beach Cave, je crois qu'on n'ira plus avant longtemps, si ce n'est jamais. Il aurait fallu y retourner juste pour le trésor de Wamon, qui est un objet digivolutif pour se digivolver en Digitamamon. Sauf que ce genre d'item, non. Sauf que ce genre d'item est super rare et en plus n'augmente pas les stats ni la durée de vie. Ça augmente que dalle. Ouah, feinte! Et comme je serai une grosse feignasse, je vais à nouveau utiliser. Comment s'appelle un pilote automatique. Bon, là c'est bon. Ah, les données ont été complètement restaurées et tout. Vas-y. Il y a une centaine d'années, les Analog Humans sont apparus sur le Digimon, sur la Digi-île. Les Analog Humans et les Digimon se sont battus très brutalement. Après 10 ans de bataille et de guerre, les Analog Humans ont été défaits et ont disparu. Dans les 10 années suivantes, mystérieusement, la taille de l'île a presque doublé en taille. Donc des humains ont affronté les Digimon? Je suis désolé, c'est tout ce que j'ai pu recouvrir des données. Ne t'inquiète pas, c'est déjà très important comme information. Maintenant, j'en sais un peu plus. Beaucoup plus même. Ah, bah oui. Donc ces humains sont probablement l'une des causes, enfin, de ceux qui ont causé la confusion et le trouble sur l'île. Est-ce que les humains peuvent vivre une centaine d'années? Il semblerait que pour les humains, le temps passe plus lentement dans ce monde, ce qui explique pourquoi je ne ressens pas le besoin de manger ou de dormir. Une centaine d'années, c'est vraiment très long. Ces mecs devaient être vraiment balèzes. Tu penses qu'ils se cachent quelque part?
Je les trouverai, je ferai le nécessaire. Maintenant, je sais pourquoi je suis ici. Comme je suis humain, je peux rivaliser avec eux. Je dois aider aussi. Je vais... I'll go back. Je vais revenir et faire des allers-retours entre ici et la ville aussi souvent que je le peux. Et ben voilà! Et là, normalement, je pourrais recruter Jérôme, que je vais faire maintenant. Allez, on refait une petite visite. Avec sauvegarde rapide. Ah, je passe. Oui! Oui, il l'a fait! Il est passé! Et c'est le but! Pardon. On a tous le droit d'avoir des pétages de plomb. Coucou! Bon bah tant pis, je passe comme ça. Hein. Tranquille. Non, je veux pas, cordialement. Bon, là, Jérôme, tu dois être là. Je t'attendais. Est-ce que tu as recouvré tes esprits? Je me sens toujours un peu foufou, mais ça va. Non, mais c'est sérieux, tu sais. Hein, l'usine est fermée pour l'instant. Donc, j'ai beaucoup de temps libre, je vais t'aider. Il regagne ses sens, mais il ressemble toujours à quelqu'un de fou. C'est toujours fou. Excuse-moi. À plus tard. Ouais, toujours un pétage de plomb, lui. Et ben voilà. Ça, c'est du recrutement efficace. Et maintenant, on se casse d'ici. Et je fonce au pays des glaces. Alors, je suis désolé d'utiliser et d'abuser à mort de sauvegarde rapide. Coucou! Il sert à rien, au fait, Andromone, hein, je dis ça comme ça. C'est vraiment vivant ici. Mais ne devrais-je pas retourner à Bourg l'Industrie? Mon programme à agenda est en train de fonctionner, pas de problème. Ouais, scheduling, schedule, ouais, c'est l'agenda, le planning. Bon, écoute, mec! Tu vas m'écouter, tu vas m'emmener au pays des glaces. Ouais, c'est ça, au pays des glaces, maintenant. T'es sûr? Mais je pourrais pas te ramener. Mais j'en ai rien à foutre, emmène-moi là-bas, point barre, merde. Le client est roi. En plus, j'y vais avec un ultime, t'as pas à t'inquiéter pour moi. Et non, je vous fais pas de câlins, vous avez des grosses massues et tout, et vous avez une tête à avoir une camionnette et à donner des bonbons à des petits enfants. Donc non. Refuse, promptement. Donc normalement, si je vais par là, il devrait pas y avoir Gary Raymond, il est trop tôt pour ça. Eh ben non! Ah, j'ai bien fait d'y aller. Bah attendez, je sauvegarde, on sait jamais. Parce que je dois vous rappeler un truc, c'est que là, pour la deuxième bataille, je ne pourrais pas l'aider. Donc attends, je vais te donner une petite rame PM. Enfin, une petite, une moyenne quand même, hein, sacré machin. Voilà. Et donc tu devrais pouvoir te démerder. Tu es en retard de... Ouais, je suis en retard d'une dizaine de jours, mais j'ai eu un léger problème. Mais ça a laissé le temps de guérir ma blessure. Maintenant, allons-y. Ok, je regarde juste. Vas-y, Guillaume, pète-lui la gueule. Et vous pouvez vraiment rien faire d'autre. Bah, il n'y a pas tous ses PV. Ouais. J'adore faire le foufou. Ouais. Bon, allez, arrête de faire le con, faire la bombe comme ça dans le vent. Oui, je préfère que tu lui foutes des poches, tu vois. Oh oui.
T'as failli te prendre une statue de glace dans la gueule, t'aurais pas aimé. Aïe aïe aïe. Si t'es KO contre ça, franchement, enfin ça va, j'allais dire, quand même. Hein. Faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'était difficile. C'est sûr qu'avec un ultime, c'est pas difficile du tout. Il a fait tomber une puce PV. C'est génial. T'es vraiment bon. Qui es-tu? Nous explorons l'île et essayons de sauver l'île du danger. Quoi? Alors bon, là c'est le blabla habituel d'un érudit. Mais il faut que nous soyons unis pour vaincre la menace. Je vais t'aider. Mais je dois d'abord voir à quoi ressemble cette ville. Bon, il a rejoint la ville, je récupère la puce PV, je parle à Frigimon et j'aurai fait le café durant cette vidéo. Yeah. Et ben j'y suis allé à la bonne horaire, c'est cool. Parce que normalement, quand vous y allez trop tôt ou trop tard, il est pas censé être là, quoi. Coucou. Rebonjour. Mais qu'est-ce qui est arrivé à l'autre Digimon? Mais c'est toujours le même! Hein? Ah bon? Je l'avais pas remarqué. Oui, c'est sûr qu'avant il était un petit peu rose, caoutchouteux, chewing-gommeux, et là il est plutôt métallique et plutôt dur, et plutôt balèze aussi. Je suis venu ici parce que j'ai donc une requête à te formuler, je veux que tu rejoignes la capitale. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Quelque chose d'intéressant? Ben, tu pourras ouvrir le magasin que tu veux, par exemple. Oh, j'ai toujours voulu faire ça. Ok, je vais y aller. Eh ben, ça semble good, tout ça. Ok, vas-y maintenant. Un magasin. On vendra des cornets de glace. Et de la glace, quoi. Oh là là, ça va être génial. Donc vous l'avez deviné, il va être au restaurant, il va vendre des glaces. Voilà, Frigimon a rejoint la capitale. Bon, j'ai quand même fait beaucoup de choses constructives dans cette vidéo, je pense m'arrêter là. Enfin, je vais essayer de retourner à la capitale par mes propres moyens. Merde, pourquoi t'as faim, mec? Pourquoi? Parce que, mec, faut que tu me nourrisses. Sinon j'ai appelé l'association des Digimon maltraités. Tu vas prendre cher. Oh, c'est bon. Du calme. Normalement, ça t'a suffi. Parce que là, j'ai marché, donc j'ai pas su si c'était bon ou pas. Alors, on va retourner à la capitale, toujours par la méthode bourrin. D'ailleurs, je vais devoir en racheter. Oh là là, j'en ai utilisé 3 ou 4 dans cette vidéo. Mais tout est rassemblé autour de la capitale. Donc c'était une vidéo très constructive puisque cela m'a permis de recruter pas moins de 3 Digimon, 2 ultimes et 2 champions, 4 même. Oh là là, je sais plus compter. Surtout en fait que j'avais oublié que j'avais recruté Garurumon. Faut dire qu'il m'a pas marqué celui-là. Ça a été trop rapide. Bon, encore un entraînement, il va vouloir dormir, donc ouais. 2 champions des ultimes, 2 fois 2, ça fait 4, et 2 fois 3, ça fait 6. Oh, mais hey, ça a augmenté de 10 points. Ça dégomme. J'irai parler à Gigimon plus tard, dans la prochaine vidéo, par exemple. Donc là, normalement, si je fais un coup de vélocité, il va vouloir dormir ensuite. Et j'avais raison. Donc, mes gens, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de Digimon World. Qui était bien rempli. Un peu galère avec le Metamnomimon, mais ce qui compte, c'est le résultat. Et je vais vous dire à bientôt pour la suite, où là, normalement, nous irons au Pays des Glaces. À moins que je ne change d'avis, qu'on aille au Mont Éternel, mais je préfère faire encore les quelques quêtes annexes. Parce que, autant profiter que j'ai un ultime assez balèze de type antivirus. Et puis voilà. Je vais le faire maintenant, parce que sinon, j'ai oublié. Orange Beam, parce que... Sinon, je vais encore oublier quand je vais me retrouver confronté à plusieurs Digimon.
faut dire que c'est bien balèze. C'est long à lancer, mais c'est bien balèze pour faire le ménage lorsqu'il y a 3 Digimon sur votre poire. Comme ça, je n'oublierai pas et je sais que je l'aurai équipé. Donc, encore merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut! Et bonne nuit, Guillaume.